Pourquoi à chaque fois je me réveille en baillant? Ouais. Ah, salut Kesplash, ça va? Yo. Oups. Là, c'est pas grave. Bah, répare la télé. Moi, je vais voir la tour de garde s'il n'y a pas un problème ou quelque chose comme ça ou un truc du genre. Michou! Michou, il est là. Ah. Attends, t'es où? Je suis pas là, mec. Monte pas. T'es cette blague! Qu'est-ce que y a un putain de blague qui vend du poulet? C'est le nouveau KFC. Sale clandestin. T'es plus dans ton pays, connard. Oh putain. Mais non, mais moi j'étais. Voilà, et toi, viens ici, toi. Non, c'est bon. T'as vu qu'un slash? Je l'ai trouvé pour toi. Je l'ai trouvé. Ah, on l'a bien eu ce fumier. On l'a bien eu ce fumier. Ouais. Ça traite pourquoi? Ta gueule. T'as le blague. On s'entend. Ça fait 4 mois. Ta gueule. Bon, allez, on se casse d'ici. Tu vois comment ce qui se passe un peu pour l'hôtel, l'église, tout ça. Elle progresse ton église? Ah, écoute, très bien. Ah, bon, en tout cas, ça va. Un restaurant est en construction. Ah, mais c'est parfait. Regarde, on le voit là-bas. Un Pierrot, qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, il fait peur. Mais j'ai juste un peu de muscle. Alors en fait, j'ai ouvert une porte dimensionnelle. On t'avait pas dit d'arrêter de faire des conneries avec les portes dimensionnelles? Sale merde, va, sale oui, merde. Oui, bon. Enfin voilà, j'ai ouvert une porte dimensionnelle qui à première vue une nouvelle dimension. Le truc est que je peux pas y passer moi. Ah bah ouais, bravo. On fait un peu de testostérone, on utilise un peu des pouvoirs à la con. Ah, d'accord, c'est pas la testostérone, c'est naturel en fluor. Bon bref. Ouais, ouais. Allez, on va voir ça mec. Ça va me rappeler là. Si ça se trouve, il y a des saloperies ou des trésors dedans, donc peut-être c'est bien. Ouais, c'est bien. Attends, j'ai... Ah oui, c'est moi, j'ai mon armure. C'est bon, t'as ton armure et tout? Ouais, j'ai chopé une armure de... Une armure de pillard. Ah, parfait. Comme d'habitude. De mercenaire. Attends, je mange juste un morceau. Pour une fois, voilà, un peu classe. Hein. On mérite, hein. Ouais. Oh putain, que tu es laid. Je sais. Bon, bref, on bouge. Bon, il est où ce portail? Suivez-moi, hein. Ben, là, on arrive. Attends, t'aurais pas un casque pareil que celui-là, là? Ben, prends des sous et va t'en acheter un. Oh. Attends-moi, hein. Oh, ben, j'ai quoi. C'est où qu'il faut l'acheter déjà? Je crois que c'est au tout dernier étage ou à l'avant-dernier. Attends, il y a une laine qui... Bon, je vais attendre devant la baraque. Ouais. Bah, sinon, je vais aller avec lui. Peut-être que je vais m'acheter des balles aussi. Salut Michou! C'est normal qu'il m'a pas parlé. Hop, je prends un peu plus d'or. C'est pas l'avant-dernier, bordel de merde! Le dernier. Donc c'est à loin dernier, c'est un des forgerons. Tu t'achètes du faut que tu t'achètes du fer et tu en parles à un et voilà, soldier helmet. Il te faut 12 fer, donc du coup faut que tu dépenses beaucoup d'argent. Tiens, je te passe plus de lingots si tu en as besoin. Bah, il y avait intérêt, oui. Mais c'est pas le même que toi. Putain. Bon, tu sais quoi, si tu veux faire le chieur, je te passe le mien et je prends le nouveau. Non, parce qu'en fait lui il a un truc respiratoire, tu vois, parce qu'en fait on sait jamais dans la dimension. Oui, mais l'autre aussi il a un truc respiratoire, c'est juste qu'il y a des lunettes en plus. Ouais, mais l'autre il est lui. Oui, mais vraiment mes sous alors, du coup je vais m'acheter l'autre. Ah non, ça c'est à moi maintenant. Non, mais voilà, il m'en faut beaucoup, ouais, c'est cher, c'est connerie. Donne-moi 50 or. En fait, et je t'avais vu que c'est nous qui les payons, pourquoi on leur rachète tes trucs en fait? Bah, pour faire en sorte que le commerce y marche. Ouais. Ouais. Le président, c'est dans une ville, un président, il est obligé de payer, enfin, normalement. Excuse-moi, mais je suis président. Mais bon, bref, je sais pas ce que j'ai dit. Donc du coup, maintenant, il faut que j'achète le fer. Putain, mais ça coûte trop cher, ces conneries. Ouais, de l'or, merci pour tes 32 heures. Tiens, ça vaut 5 vivages, Jésus. Ouais, mais tu peux m'en repasser un peu, s'il te plaît? Ah non, tu peux me passer des pièces? Allez, passe-moi des pièces, après je te rends ce qui reste. J'ai pas de pièces. Putain, tu fais chier. Il me manque... Okay. Attends. Ah putain, il me manque. Bon, vous voyez, la procédure de changement d'or est très long et périlleux. Ah non, pour moi, il est pas si puissant. En tout cas, c'est... Il a grossi. Hop. Donc ensuite... Yes, des pièces, merci. Putain. Hop, ensuite, je reprends le fer. C'est bon, j'ai assez de fer. Et là, du coup, je peux m'acheter un casque. Ouais, viva Jésus. Tu es dit. Magnifique, bon on bouge. Ouais. Putain, qu'est-ce que tu es lent. C'est pas que je vous attends, mais je vous attends les mecs. Attends, j'ai faim.
C'est à cause de l'autre qui voulait faire chier. Y'a plus de gâteau. Ouais, mais c'est l'autre qui casse les couilles à cause d'un casque en fait. Je veux pas dire, mais c'est déjà le matin. Hein. Ouais. Là. Bâtard. Ça c'est 20h. Hein. Ferme là, ça fout dans Rekav. Non, mais qu'à passer. Chute. Rekav et si. Bon, bref, oh putain. Faudra qu'on en parle aussi de tes gardiens. Faudra que tu fasses un fort en sorte qu'ils fassent un peu moins, genre. Excuse-moi, mes gardes, ils sont très bien. Je sais pas, tu pourrais leur donner des tenues un peu plus sympathiques, un peu moins. Regarde, lui, il est obligé de se mettre là parce qu'il a peur. Ouais, peu cher, vas-y, viens avec. Putain, c'est quoi cette merde? T'as un dimension? Peter, mets-toi là, mets-toi là. Bon. C'est le portail. Bah, attends-nous ici, pas de conneries. Oh, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, toi. Non, vas-y, toi. Non, mais vas-y. Attends, je prends une vive à Jésus ici. Oh putain, il a un couteau. Fais gaffe. Ouais, pareil, vive à Jésus. Ouais. Attends. YOLO. Oh. Tiens, mec, dans j'y vais d'abord. Je le file. Aïe. Non. Non, c'est moi d'abord. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Attends, j'arrive pas à rentrer. Là, c'est bon. On y est, hein. Bah c'est plutôt mignon. C'est vrai. C'est toi un château. Viens, on va voir. On va essayer de... Un petit coup de pioche là pour entrer dedans. C'est vrai. C'est beau, hein. C'est beau, ouais. Je veux pareil chez moi. Vas-y. Bah, c'est ça que je veux comme... Oh. What? Je suppose qu'on peut pas rentrer allant de l'autre côté. What the fuck. Eh hey, mais t'es... Je crois qu'en fait ce con il nous a ramené dans une dimension complètement futuriste. Et connu. Ah oui, ça a l'air vraiment fait. C'est de là qu'elle venait, ces putains de bestioles à la con. Vampiro, tu me reçois? Ça marche? Ouais. Eh, dis-moi, ça fait combien de temps que tu aurais pas ramené des merdes là? Les merdes. Ah, ça fait. Je sais pas. Que je travaille dessus, ça va faire 4-5 jours, là, une semaine, depuis que les bestioles sont arrivées. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, mais t'en as foutu plein dans mon église. Y'en a eu partout, c'était un carnage. Bon, y'en a aucune qui est allée jusqu'à l'église, mon cher ami. Hein. Bah, y'en avait deux. Oui, mais par contre, y'en avait dans l'hôtel. Enfin, sur la caserne. Ouais, on se demande pourquoi. Bon, par où on va, qu'est-ce qu'il y a? Oh, y'a un truc là-bas. Oh, y'a un truc là-bas aussi. Oh, y'a une petite maison là. Vas-y, ouais, viens, on va piller. Hop, ouais. Oh. Comment ça marche, le truc? Enfin, faut refaire la porte, y'a une gonzesse. Vas-y, y'a un truc bizarre là. Attends, non, y'a une gonzesse là-dessus ou pas? Elle est en moi. Bonjour. Salut, coquine. Bonjour. Ok, bon, on y retournera plus tard. Ouais. Ça va? Moi, c'est Cazen Flash. Et... Oh putain, c'est tort. On est encore tombé sur une muette, tu crois? Ça tort, elle a des poops énormes. Ouais, mais elle est encore muette. On est encore tombé sur une muette. Tu crois qu'on est encore tombé sur une muette? Oh, c'est bon, moi, les filles muettes, je passe, hein. Ouais, allez, go, viens, on va... Casse les couilles. Ouais. Quoi, ça? Oh regarde, j'aime bien cette pierre là, regarde. On dirait un petit serpent. Ouais, vas-y, on la récupère, ça fait joli. Pour ma maison. Allez, on prend. Oh putain, c'est quoi, putain, regarde là-bas. What? On les tue? Je pense que c'est une mauvaise idée, j'ai pas d'armes. J'ai une pioche. Non, j'ai une pioche encore, mais j'ai pas d'arme à feu. Ah, oh, c'est bon, un balèque. Vas-y, c'est... Qu'est-ce qu'ils font? Enderman à droite.
Ah, c'est dégoûtant, ça te colle. Ah, ça vient vers moi, ça vient vers moi. Ah, j'ai la merde. Oh mon dieu. Vas-y, ça fuit, ça fuit. Oh putain. Vas-y, y'a des trucs, y'a des trucs. Ouais. Naga trophée. J'ai gagné un trophée. Y'a un Enderman, mais cache le nez. Et on retourne voir la fille. Un zombie. Ah ben, quand on parle de fille. Attention. Je suis là pour t'aider, salope. Oh, j'aime quand tu fais ces bruits. Oh, quelle tâche, on tape pas les femelles. Oui, mais je comprends que ça me... Bonjour, chère mademoiselle. Aviez-vous quelque chose à nous demander ou à quelque chose... Voulez-vous des services assez... J'ai enlevé mon pantalon. Eh, mec. On va te donner Oui. Salut, salut, salope. T'as vu, elle parle avec des bulles. Ah ouais. Bon, de part là-bas, il y a... On vient de la civilisation. La Dova Police. Civilisation. Voiture. Quoi? Arme à feu. Bombe nucléaire. Gonzesse. Est-ce que c'était ton pote celui-là? Parce que maintenant il est mort. Ah, rends-le! C'est mon trophée. Sinon, ça va? C'est bien ici? On est tranquille? Ah, tranquillou, hein, et tout le reste, hein. Attends, je vais mettre des plus belles. Si tu veux, on peut te ramener à la civilisation. Allez, viens, et tu auras des plus gros boobs et tout. Il y a des chirurgies esthétiques et tout le reste. Parfait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Au fait, il y a un gros château qu'on a vu tout à l'heure. Je peux toucher. Attends, écoute. Je peux toucher, s'il te plaît. Ah, ça tord. Quoi? Ah, je me sens mal. Qu'est-ce que tu as? Oui, il y a une bleue là-bas. Ah, ça tord. Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Il a une Algérie. Ah, allergie. Vite! Faudrait, réveille-toi! Debout! Allez, tu peux! Non, mais je me sens mal. Je me sens mal, moi. Attends, je crois qu'on a un plus gros problème que toi. A ton avis, c'est quoi le plus gros problème? La tête de Kenslash qui va exploser ou le machin à 3 têtes qui est là-bas? Quoi? YOLO! Bon, alors je te présente Ken Slash, c'est un mec qui va bientôt... S'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, il va bientôt mourir. Alors si. À mon avis... Toi, sac à merde. À mon avis, je crois qu'il a pris la grosse tête. Toi, sac à merde, ouais, toi. Je vais te niquer. Pardon. Eh, ça t'a, viens voir, il est gentil, au fait. Mais il a l'air tout mignon, regarde. Vas-y, hein, va le caresser, hein. Ouais. Oh, il est mignon. Oh, Pouchou de merde. Sac à merde, je te prends pas les zizi, moi. C'est ça, Kenslash, vas-y, fais pipi avec ta grosse tête. Venez. Je t'aide, je tire dessus. Tu fais rien du tout, t'es qu'un sac à merde. Ouais, mais là, j'ai beaucoup de balles pour pas grand-chose. Je vais trouver en fait un jeu d'autre dimension comme toi, je vais te promener et puis on a gardé. T'as gardé parce que j'ai des super pouvoirs celle-là. Si je joue, je te culbute. Ouais, il a le pouvoir de parler au poulet. Ah, j'ai brûlé. Et le culbute de mes couilles en ce moment même, tu sais quoi? En ce moment même, il défonce le gros. Ouais, hein. Fort, oui, je vais faire après, il risque de... Ouais, ça y est, maintenant tu viens à côté de moi, hein, juste pour vous montrer que t'es fort pendant que Lone Hunter est en train de se toucher la nuque parce qu'il a rien à foutre. Je peux te dire que je suis en train de gaspiller toutes mes balles pour t'aider. C'est ça, gros porc. Attends, bouge pas, je sais pas, il y a moyen de... En fait, tu vois, il est gentil en fait. T'as juste à lui caresser le bidon. Aïe! Merde, salope. Vas-y, moi, je vais taper dans les têtes. Oui, j'aime quand tu fais ça. Oh, ferme-la. Oh merde. Aïe, merde. Pousse-toi. Ah putain, je me noie. Putain, on l'a eu. Ouais, je l'ai eu, je suis trop fort. La femme, qu'est-ce que tu es mauvais. Allez, c'est bon, je me casse. Bon, on rentre à la maison, je te dis de te montrer la civilisation. Ah, et je vais te faire habiter dans un hôtel magnifique que je vais appeler le Chicken Stove.
C'est pas vrai que t'as tout fait. Bref, on bouge. Oui, pendant que tu étais avec ta grosse tête là. Et que tu veux caresser. Non, t'as juste fait la fin. Hein. Oui, bah tu sais que j'ai perdu. Est-ce que tu sais que les balles que j'ai perdues à cause de toi? Bah sinon je t'ai fait juste la fin toi. Et t'es venu parce que tu as dit ah oh, mais tiens ce cocol hein. Et alors, moi c'est mon premier. Donc le premier c'est célèbre. Voilà, ça retourne chez toi. Non, la prends pas, elle est trop folle. Ouais mais bon, les mecs à la base ils... On a mieux. Oui mais à la base on manque de filles. On a mieux. Et puis toi qui peux quand tu vas me dire hein, dans la baignoire déjà, toi t'as pas donné d'or avec ta tête dans la baignoire de tout à l'heure hein, tu t'es pas régalé un peu hein parce que moi je suis en train de construire. Mais ben ferme là, ok. Donc on a mieux, on la prend pas. Je prends qui je veux. C'est moi qui décide. Déjà un mec qui arrive à choper une maladie à la con comme toi. Ta gueule, j'ai des allergies d'abord. Il est à côté du grand château à la con. Tu vois, lui on peut le prendre parce que c'est Bambi. Alors, bon, ok, on la prend, mais elle est sous mon ordre. Et sous le tien. Non. Alors, elle me fait des excuses. Sinon, je la tue. Ouais, mais c'est une sauvageonne, c'est pas sa faute. Merde, il est où le portail? T'es français, toi? Parce qu'une sauvageonne, j'ai jamais entendu ça, moi, de ma vie. Si, moi, j'ai entendu dans Game of Thrones. Oui, à part Game of Thrones. Bon, t'es où? Je suis là. Elle est où, la fille? Je sais pas. En tout cas, j'ai envie de récupérer ma tête. Hein. Eh ben, vas-y, dis-moi si c'est bon. Ah! Merde. Fille! Bon, tu notes les coordonnées, c'est c'est par là. Bon, le zombie. Viens, petit zombie, viens. Hey, il tombe la dimension. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai retrouvé ma tête. Où est la fille? Je sais pas. En tout cas, il y a une vache qui te fait l'amour. Attends, vache. Bon, en tout cas, t'étais ouais, très méchant. Pas avec toi, la fille. T'étais très méchant dans cette dimension, donc je mérite des excuses. Hein? Oui, mais... très méchant. Tu as été très désagréable dans cette dimension, je trouve. Avec c'est pas vrai. Et je propose, tu sais quoi, de cette dimension de merde. Attends! Et la fille? S'en fout de la grossesse. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Ok, pourquoi c'est devenu de l'eau? Est-ce que ah d'accord, pas... t'es là. Salope. Et tu dis pas qu'il y a que toi qui a fait le boulot, j'aime pas ça. Ah mais il y en a un autre ici. Il y a un garde qui fait... il y a un garde de vampiro qui fait la baignade dedans. Bah, parfait. Voilà, bon, je vais te faire représenter le tour du paysage, comme à chaque fois. Donc là, tu as une maison, là, tu as la caserne, là-bas, tu as un hôtel, et là-bas, tu as une église. Voilà, c'est bon, on a fait la présentation. Voilà, maintenant, on va se branler. Oui, on a un hôtel, si tu veux, je peux te montrer, on a deux suites. Ah, t'as vu, j'aurais pas trouvé ma tête. Hein. Oh, ah, bah, c'est très bien. Je sais, c'est moi qui ai fait les plans de travail. Et après, oui. Ils ont construit eux. Donc, bien sûr, j'ai payé. En haut, là-bas, avec la tête de poulet, c'est la maison de Ken the Flash. De notre grand héros. Voilà. Donc là, nous avons l'hôtel. Donc les suites sont en haut. La suite à droite, c'est la mienne. Donc je te propose la suite à gauche. La suite à gauche, on va la démolir et ça va devenir la mienne. La suite abrutie, t'as déjà une maison, je t'ai déjà dit. Ok, ben va faire ta chambre. Genre une chambre pour la pute là. Oui. C'est gratuit pour elle puisque c'est une VIP, mais voilà, je vous donne deux Lego doigts. On va la mettre en bas parce qu'elle est très bien en bas. Voilà, ici, parfait. Là. Ici, voilà, parfait. Parfait. On l'a fini. Ça fait parfait. Voilà, c'est bon. Elle a pris ma suite. Et je mérite mieux. Hein. Mais tu as ta maison, est-ce que t'as facture. C'est 5 or. Voilà, ouais, dégage de chez nous. Voilà. Alors qu'une tâche, ça fait quoi maintenant d'avoir la maison? Hein? Ça fait quoi d'avoir quoi? Attends, je vais avec toi parce que c'est quand même ma chambre un peu. Je te préviens que ça c'est ma chambre, toi t'as ta putain de maison, j'ai dormi. Ah ouais, mais c'est moi qui fais les plans de travail, donc on est les deux constructeurs, donc les deux mères, donc on a une chambre, tous les deux. Et j'ai une piscine. Non, tu dégages de chez moi? Non. Si. Non. Si ou c'est élimination? Je suis bien là. Élimination? Non. Élimination? Non, mais tu dis que c'est aussi ma suite, au cas où.
Vu que tu m'as laissé dormir chez toi, je te laisserai dormir chez moi, mais c'est ma suite. Oui, mais c'est moi qui ai fait le plan de travail. T'as fait le plan de travail de l'extérieur. Oui, mais je t'ai dit comment le faire. Dégage de chez moi. Donc, je gagne un privilège sur ta chambre. Dégage de chez moi. Mais... Dégage de chez moi. Bon, allez, je vais dormir. Je peux dormir chez toi.